Là, le courrier. De la part de Madalton. Minouchette et les pingouins magiques. Un livre. Oh, c'est pour les grosses têtes. Facture, facture, facture. Quoi? 10 000 dollars de dentiste? Oui, tous les détenus avaient des caries. Le dentiste a dû faire 127 plombages. En or. Rataplar! Moi, je n'ai jamais eu de caries. Et vous savez pourquoi? Parce que je n'ai jamais mangé de sucre. Désormais, le sucre est interdit dans ce pénitencier. J'y arrive pas. William, tu veux bien me lire l'histoire des pingouins magiques, s'il te plaît? Attention, la nitroglycérine est un liquide explosif très instable qui explose au moindre choc. Ah, sacré main! Elle a caché une recette d'explosifs dans ce bouquin. Les gars, si on n'est pas manchots, ce soir, on fait sauter la porte. je sais, moi aussi j'aime le sucre. Mais les ordres sont les ordres. La voie est libre. Alors, il nous faut une marmite, de l'huile, un torboyau. Avril, tu te coupes du sel. C'est bon, go! L'huile, c'est fait, le torboyau, plus un kilo de sel. Remuez délicatement. Aïe, c'est prêt! À table! Ça se mange pas, abruti! Crache-toi tout de suite! Non, non, crache pas, crache pas! On est vivant? C'est quoi cette nitro qui explose même pas? C'est de la guimauve. Oh! Si ce truc transforme tout en guimauve, il n'y a qu'à en lancer sur le mur. On se grignote un tunnel et on est libre. Metatron! Hein? Inspection anti-sucrerie. Ah, c'est vivant! On dirait une forme de vie extraterrestre. Les aliens nous envahissent. Ah! 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 Ah, intéressant. Ah, ma bougie. Je croyais que je l'avais perdue. Confisqué. C'est incroyable. Je n'ai jamais rien mangé d'aussi délicieux. Qu'est-ce que c'est? C'est de la guimauve. Confisqué. Faut absolument récupérer la marmite. Wouhou! Monsieur le directeur, les prisonniers manifestent. Ils veulent du sucre. Quel gamin, ces prisonniers. Je vais leur parler, allons-y. On s'arrache avec la marmite. Ah, ma bougie. Eh bien voilà. Voilà, voilà, voilà. Il fait tout noir. J'ai peur, Joe. Vous en faites pas, j'ai ce qu'il faut. Et voilà. Je le savais, un ovni. Rends ton plan, tu dois arrêter cette invasion. À l'attaque! De la guimauve partout. Mais c'est... c'est génial! Et il a disjoncté. On fait comme lui. Le mur du fond donne sur l'extérieur. Bon appétit, les gars! Vous avez vu ça? Toute la prison est en guimauve. Oh. Monsieur le directeur, regardez! Les Dalton mangent le mur. Le mur? Quelle bonne idée! Essayons de voir ce que vaut ce porte-manteau. Avril, tu passes en premier. Oh, on peut pas rester un peu dans la prison en guimauve? Abruti!
D'accord, Miss Betty. Un dernier boulet et on y va. Ça doit être les chefs de la bande. Vous n'aurez pas notre belle planète bleue, espèce de mutant. Aïe, ouille. Mais tu vas me lâcher, sale cabot. C'est bon, les Dalton. Descendez de là, maintenant. On peut pas, on est collés. Hein? J'aurais dû écouter maman. Plus jamais de sucre. Plus jamais. Il suffit d'être raisonnable. Un peu de sucre de temps en temps, ça ne fait de mal à personne. Et voilà une belle brochette de Dalton en guimauve. Ne me remerciez pas, je n'ai fait que mon devoir. La planète peut dormir sur ses deux oreilles.